Nous évoquerons l'univers passionnant de la bourse BRVM et particulièrement de l'analyse fondamentale sur le marché boursier de la BRVM. Vous apprendrez à décortiquer les rapports financiers des sociétés cotées, à interpréter les bénéfices et les pertes, ainsi qu'à évaluer les ratios financiers cruciaux. Nous explorerons également l'impact des nouvelles économiques et politiques régionales sur les marchés, vous donnant ainsi les outils nécessaires pour anticiper les tendances et prendre des décisions d'investissement éclairées. Comprendre en profondeur l'analyse fondamentale vous permettra de reconnaître les opportunités cachées derrière les chiffres et d'investir de manière stratégique dans des entreprises solides et en croissance. Préparez-vous à maîtriser cet aspect essentiel de l'investissement boursier et à développer votre intuition financière pour prospérer sur le marché de la BRVM. La lecture des rapports financiers des sociétés cotées à la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, est une compétence clé pour évaluer leur valeur intrinsèque. En scrutant ces rapports, vous pouvez mieux comprendre la santé financière d'une entreprise, ses bénéfices, ses ratios financiers et ses perspectives de croissance. Pour évaluer les bénéfices d'une entreprise, le bénéfice par action, BPA, est un indicateur essentiel. Il se calcule en divisant le bénéfice net de l'entreprise par le nombre total d'actions en circulation. Plus le BPA est élevé, plus l'entreprise est rentable par action émise. Les ratios financiers, tels que le ratio cours bénéfice, PER, et le ratio cours valeur comptable, PBR, offrent des indications cruciales. Le PER se calcule en divisant le cours actuel de l'action par le BPA. Un PER élevé peut indiquer que le marché a de grandes attentes pour la croissance future de l'entreprise, mais cela peut aussi signifier que l'action est surévaluée. Le PBR, d'autre part, se calcule en divisant le cours actuel par la valeur comptable par action, VCVA, reflétant la valeur nette comptable de l'entreprise. Un PBR inférieur à 1 peut indiquer que l'action est sous-évaluée par rapport à ses actifs tangibles. Les perspectives de croissance peuvent être évaluées en analysant les tendances historiques des bénéfices, les annonces de nouveaux contrats ou produits, ainsi que les prévisions de l'entreprise. Les entreprises avec des plans de croissance solides ont souvent des perspectives favorables. En plus de ces indicateurs, il est essentiel de comprendre l'industrie dans laquelle l'entreprise opère, ainsi que les facteurs économiques et politiques régionaux pouvant influencer ses performances. En combinant ces éléments avec une analyse approfondie des rapports financiers, vous serez mieux équipé pour évaluer la valeur intrinsèque des sociétés cotées à la BRVM, prenant ainsi des décisions d'investissement plus éclairées. Yeah.